Et bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de ma partie avec l'Italie qui, ben, ma foi, a un petit peu de mal. Là, la contre-attaque, c'est une connerie. Tant qu'ils vont, ils réduisent pas un peu le front, ça sert à rien. Là, ça passe pas, là, ça passe pas, ça passe nulle part en fait. Donc c'est un peu con. Alors, on va y avoir un petit peu de côté des colonies quand même. Putain, décidément. Toi tu vas là. Toi tu te mets là. Ici, on va perdre du terrain. Toi, t'attaques ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un petit navire grec. Tu vas là. Toi, tu vas ici. Ok. Attends, on n'était pas loin de Kiev, là on a été repoussé. Très honnêtement, je vois pas trop comment on va réussir à s'en sortir. Il n'y a absolument aucun point faible à son infiltration. Ça fait quoi ça déjà? Conversion de ravitaillement, ça c'est une excellente chose. Toc de nuit. On va faire les chars là. Il nous faut faire des chars un peu plus puissants. Sinon ça sert à rien. D'ailleurs, on va entraîner une nouvelle troupe ici. On va l'entraîner en Albanie. Elle sera déjà sur place. Loin de parti fasciste là. Ça fait quoi ça, imposer l'abdication? Bon, où c'est qu'on pourrait attaquer? Pas où on pourrait attaquer. Comment se comporte notre chasse? Il y a 450, il y a 450 avions sur 1000. On va se mettre là. Et on va aller dans cette zone-là après. Je crois que pour l'hiver, il faut qu'on attende un petit peu. Là, il y a un char, il y a juste un char et ça nous fait vraiment super mal. Petit char là. Et on va être repoussé à nouveau. Hein. Et si on tentait de faire un petit débarquement à Sébastopol, qu'est-ce qu'on pourrait en penser? Ouais, les Allemands, ils ont un petit peu progressé ici, là.
Là, il y a quand même énormément de troupes. Je m'aperçois. Quand même énormément de troupes. La bonne santé. Toi, tu vas là. Vous avancez. Pas trop le choix. Voilà, on a 25%. Là, je pense que. Il est temps qu'on abandonne cette position-là. Ça sert à rien. C'est voué à l'échec. Ici, si on fait un gros mouvement comme ça, est-ce que ça peut passer? Du coup, éventuellement, on pourrait quand même aller les aider ici. Parce que là, on peut peut-être passer. Ah, 7 jours. Ouais, voilà. Hein. Ah, et la contre-attaque a lieu. On peut éventuellement faire ça. Ouais, 8 jours, hein, ça. Quatorze. Si on les empêche d'avancer. Du coup, on s'en fout. Ouais, développement des blindés. On retente une contre-attaque. On n'a pas dit notre dernier mot. Grâce à un soutien et supériorité aérienne de l'ennemi. Avec 88, ça peut passer. Ça peut passer de tous les côtés. ...90%. Pendant ce temps-là, on perd de l'avion. Là, on est passé à 92%. Si on arrive à passer, ça peut être bon, hein. Putain, 4 jours, ça remonte, 3 jours. 94. Chantier naval disponible. Et bien, nous allons donc produire nos petits destroyers de niveau 3. Nous allons en produire 10. Putain, on manque de pétrole à nouveau. Bon, est-ce qu'on va passer là? Ouais, on va peut-être passer. On est passé. Allez, on les aide. Moi, je serais pour qu'on fasse un petit attaque ici. Pour y reprendre l'aérodrome. On les empêche d'avancer.
joue à un jeu dangereux parce qu'on est vraiment en bord de... Allez, on arrête les conneries. Voilà, on arrête les conneries. Bon, les Allemands, qu'est-ce qu'ils font les Allemands? Pour l'instant, les Allemands, ils font pas grand-chose, hein. Il n'y a aucune attaque ailleurs. Ici, tout est calme. Ah putain. Bon, on aura pris... Pour éventuellement essayer de contre-attaquer ici. Ça pourrait peut-être passer. Putain, c'est long, traverser ici. Hein. Qu'est-ce qu'il fait l'Allemand? Pourquoi il s'en va? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi l'Allemand a décidé de partir? Allez. Wow, j'aime pas ça là. Il faudrait qu'on arrive à passer. Alors, ce qu'on fait ici. Hop. On pourrait mettre en place ça et faire une attaque. Dans les deux cas. À 61%. Voilà, on tient le bon bout. Là, il y a 6 divisions sur je sais pas combien qui attaquent. Alors, autant dire que... Ah, ils attaquent à tour de rôle, ce qui fait que nous, on est en train de perdre complètement... Pas du tout, mais il faudrait qu'ils arrêtent l'attaque ici. Peut-être sur le long terme, ça va peut-être passer. On n'a plus que 959 000 hommes. Il faudrait qu'on arrête les combats, je pense, un petit peu là, qu'on laisse un petit peu les Allemands se débrouiller, je pense. Soixante-dix-huit%. Eh mais attendez, ça va peut-être passer ici, non? On va juste peut-être aider avec une petite division de plus. La contre-attaque du mois de janvier.
Et ici, ça va passer, ici, ça va passer. Hop, j'ai une autre division de... Ah, ici, ça allait passer. Pour 16%, allez, on peut le faire. Allez, on va mettre ça sur une petite zone ici. Et ça vous intéresse pas d'y aller quoi? La classe Roumanie. Et oui, on va faire la suite, hein. Le littorio. Attends. Pourquoi ils y vont pas là? On va les aider sur un autre flanc. Du coup, je pense qu'on va remplacer ici cette ligne de défense par une ligne d'attaque qui va commencer ici. Sur ça me paraît bien. Non, mais par contre, l'attaque était plutôt sympa quand même, je pense, dans l'esprit. Non, par contre, attaquer, c'est une connerie, hein, bien évidemment. Si on arrive à passer ici, ce sera pas mal, hein. On va y aller, bon. On va y aller avec eux. On va juste finir celui-là. Parce que là finalement on va pas passer et même on va sans doute perdre. Putain, ils ont renfloué. Ici c'est la guerre. Hein. Attends, ils doivent être spécialistes de l'hiver là maintenant depuis le temps. Température inférieure à moins 10. On n'a pas fait les moins 10 encore. Là, en revanche, c'est carrément le moment de faire une contre-attaque ici. C'est carrément le moment de faire une contre-attaque ici. C'est bon, les Allemands vont se débrouiller tout seuls. Donc nous, on attaque également ici. Et du coup, on va plutôt faire ça. Allez, on se fait le soutien. Faut absolument qu'on passe. Ça fait trop longtemps que ces divisions... nous empêche. Ah putain, la contre-attaque elle a échoué là. On a peut-être pas besoin d'autant. Mais attends, est-ce que vous pouvez attaquer ici? Putain, on aura fait une session, mais il sera pas passé grand chose. Ces putains de Russie tiennent encore là. Finalement, on a failli passer là, mais on n'est pas passé. En revanche, là,
Peut-être que ça peut passer. Et après, je pense qu'on arrêtera l'épisode avec un peu de chance, ça va passer. On va d'ailleurs avoir 150 points qu'on va mettre. Qu'on va mettre dans ça. Allez, 96%, 97, c'est bon. Putain, il en a remis une unité. Ils sont casse-couilles, hein. Là, ils nous attaquent en permanence, comme ça, ils n'arrivent pas à mettre des unités à nouveau ici. Là, par exemple, il n'y a rien pour attaquer, ils sont tous partis. Eh ouais, ils en ont remis deux autres, hein. Bon, mais écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à plus tard pour la suite de la partie, tout simplement. Salut à tous. Et salut à tous. On se retrouve pour la suite de ma guerre avec l'Italie. Et donc, on essaye, nous, sur notre petit front qui se trouve ici, de faire avancer les choses. La lutte est sans merci. On va pousser ici au maximum en espérant que ça passe. On va les empêcher de passer ici. Et là, ça peut aller très vite. Ah merde.